Oui, j'ai vu naître cette fabuleuse course de pirogue, la plus belle, la plus dure de toutes les compétitions de voie A. C'est une compétition sportive, mais c'est une fête aussi. Une fête de la pirogue, quand je vois cette popularité, cette masse arriver à chaque départ et à chaque arrivée sur l'eau, il y a un pont humain qui s'établit entre Houainer, Eatea, Taha et Borobora. Et c'est vraiment un moment magique. Le voie fait partie de notre culture. C'est ce que nos anciens nous ont transmis. C'est ce qui a permis de peupler un peu toutes les îles du Pacifique. On parle du triangle polynésien. La Nouvelle-Zélande et tout ça, ça a été jusqu'à l'île de Pâques, remonté aux îles Hawaï. Et nous, on est au cœur de tout ça. Le leva a évolué comme on le trouve aujourd'hui. Et en tous les cas, c'est ce qui nous permet de nous rassembler autour de notre culture, on va dire. Et c'est arrivé sur la plage de sable blanc de Matira. Je pense que ça fait le plaisir de tous les internautes, parce que je sais que maintenant, grâce à Onotoa, grâce à la fibre optique, les gens participent comme s'ils sont dans la course maintenant. Il n'y a plus de distance au niveau communication. On voit les compétitions de manière instantanée. On voit les arrivées, donc il n'y a plus de temps d'attente, tellement là, ça va très vite. Et merci à notre partenaire OPT de penser effectivement à cette évolution, de mettre en place ce qu'il faut pour que la Polynésie, un événement de ce type, soit regardé partout dans le monde. Il y a beaucoup de pays apparemment qui suivent la course de pirogue en direct. Et donc la qualité des images fait que ce sport, qui est quand même un sport roi en Polynésie, qui est dur, hein, c'est un combat permanent. Donc c'est pour ça que le groupe OPT, à travers ses infrastructures, se devait d'être présent. Il y a une symbolique effectivement culturelle qui est forte. C'est bien que le groupe OPT, qui est ancré en Polynésie depuis très longtemps, soit également présent. À l'image de la Polynésie, et bien évidemment, et puis on peut dire à l'image du Pacifique aussi, quoi. C'est-à-dire l'OPT est quand même une grande entreprise, avec des gens de valeur, une direction avec des qui donnent aussi des bonnes valeurs. C'est partie de notre éducation, de notre culture, c'est ça reste l'humilité, la simplicité, l'équité dans le sport aussi, puis là, toujours la performance, la cohésion, enfin toutes ces choses-là. C'est justement, c'est à l'image de notre entreprise. On est à la veille de la grande fusion, on est vraiment en train de marquer l'histoire aussi de l'OPT et de l'UNI. Donc on réunit nos forces pour être encore plus performants demain. C'était l'exemple du câble transpacifique. Si un grand pays comme le Chili se tourne vers la Polynésie française, et donc en particulier son opérateur télécom historique, c'est bien parce qu'on a une expertise reconnue. Et il en est de même pour Manatua. Manatua, donc l'OPT a pris le lead les deux prochaines années. Donc le management committee, c'est l'OPT qui prend la présidence. Et le procurement group, donc qui sera chargé de superviser l'exécution du contrat avec le fournisseur américain, c'est l'OPT également qui a pris la présidence. Donc l'expertise, et je tiens ici à saluer les deux co-chefs de projet sur les câbles sous-marins, Natitua et Manatua. L'expertise est véritablement reconnue et le pays, on est parfaitement conscient, est satisfait, je pense, j'espère, de son opérateur historique.